aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un cake marbré vanille chocolat. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre cake marbré, vous avez besoin de 160 g de beurre, 160 g de beurre, 500 g de sucre, 6 g de fleur de sel, 2 gousses de vanille, 230 g d'œufs, 45 g de cacao, 470 g de crème liquide entière, 500 g de farine T55 et 12 g de levure chimique. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, de deux saladiers, d'un fouet, d'une marise, d'une planche à découper, d'un couteau, d'un tamis, de deux poches à douille, de deux douilles diamètre 10, une casserole, de deux moules à cake de 22 cm et de papier sulfurisé. Pour réaliser notre cake, on vient récupérer notre première quantité de beurre. On vient la mettre dans une casserole. On va venir faire fondre notre beurre sur feu moyen. Une fois notre beurre fondu, on va attendre qu'il obtienne une belle couleur noisette. Une fois notre beurre noisette obtenu, on peut stopper la cuisson et on débarrasse notre casserole du feu. On vient maintenant récupérer notre gousse de vanille. On vient couper les extrémités. On vient aplanir notre gousse à l'aide de la lame de notre couteau. On va maintenant fendre notre gousse de vanille en deux. Une fois notre gousse de vanille fendue, à l'aide de notre couteau, on vient récupérer les graines dans nos gousses. On vient mettre nos graines de vanille dans notre sucre. Une fois les graines de nos deux gousses de vanille récupérées, on réserve. On vient maintenant récupérer un saladier. On vient verser notre sucre et nos graines de vanille. On vient ajouter notre fleur de sel. Notre deuxième quantité de beurre. On vient maintenant ajouter notre beurre noisette légèrement refroidi. À l'aide d'un fouet, on vient mélanger notre préparation pour rendre le mélange homogène. Une fois le mélange homogène obtenu, on peut arrêter de mélanger. On va venir ajouter notre crème liquide entière. On va venir l'incorporer dans le mélange précédent à l'aide du fouet. Une fois notre crème liquide entière incorporée, on vient ajouter nos œufs. On mélange une nouvelle fois à l'aide du fouet pour incorporer les œufs dans notre préparation. Une fois les œufs incorporés, on réserve. On vient récupérer notre tamis et on vient tamiser notre farine et notre levure. Une fois la farine et la levure tamisées, à l'aide de notre fouet, on vient mélanger la préparation pour l'incorporer. Une fois notre mélange réalisé, on réserve. On vient maintenant récupérer notre deuxième saladier et notre balance. On va peser la moitié de notre préparation. Vous devez être aux environs des 1 kg. Une fois notre pâte séparée en deux, on va ajouter notre cacao en poudre dans l'un de nos saladiers. À l'aide de notre fouet, on va venir incorporer le cacao dans notre préparation. Une fois le cacao incorporé, on réserve. On va maintenant venir récupérer notre poche à douille et notre douille. On va venir mettre notre pâte au cacao dans notre poche à douille. Une fois que notre pâte est dans notre poche, à l'aide d'une corne, on vient descendre la préparation au fond de la poche.
Une fois la préparation au fond de notre poche, on peut réserver notre poche quelques instants au réfrigérateur. On vient maintenant récupérer notre pâte nature. On va la mettre dans une seconde poche à douille. Une fois la pâte dans notre poche, à l'aide d'une corde, on vient toujours descendre la préparation au fond de la poche. Une fois la préparation au fond de notre poche, on réserve. On vient maintenant récupérer nos moules à cake. On va venir beurrer les côtés de notre moule. Une fois nos moules beurrés, on vient récupérer notre morceau de papier sulfurisé. On va venir chemiser l'ensemble de notre moule. Une fois notre moule à cake chemisé, on va venir récupérer nos deux poches à douille. Et on va répartir notre pâte nature et notre pâte au cacao en alternance. On va remplir notre moule à cake aux 3/4. Une fois nos deux moules à cake remplis, on va enfourner nos cakes dans un four préchauffé à 170 degrés pendant une heure. Pendant que nos cakes sont en cuisson, on va réaliser un sirop. Pour cela, vous avez besoin de 125 g d'eau, 50 g de sucre et quelques gouttes d'arôme de vanille. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un pinceau et d'une casserole. Pour réaliser notre sirop, on vient mettre l'eau dans notre casserole. On vient ajouter le sucre. On va porter notre préparation à ébullition sur feu moyen. Une fois que notre sirop bout, on retire notre casserole du feu. On vient ajouter quelques gouttes d'arôme de vanille. À l'aide d'une maryse, on vient mélanger pour incorporer notre arôme de vanille dans notre sirop. Une fois notre sirop réalisé, on réserve. Dès que nos cakes sortent du four, on va venir appliquer le sirop à l'aide d'un pinceau sur nos cakes. Une fois nos cakes imbibés de sirop, on les laisse refroidir complètement et on les réserve pendant 4 heures au congélateur. On va maintenant réaliser notre glaçage au chocolat. Pour cela, vous avez besoin de 300 g de crème liquide entière, 180 g de chocolat, 60 g de miel et 70 g de beurre. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, de deux casseroles, d'un thermomètre et d'un bec verseur. Pour réaliser notre glaçage au chocolat, on va venir faire fondre notre chocolat au bain-marie. Il faut faire attention que notre bol ne rentre pas en contact direct avec l'eau. Dans notre seconde casserole, on vient ajouter notre crème liquide entière. On ajoute notre miel. On va venir porter notre préparation à ébullition sur feu moyen. Une fois que notre chocolat est fondu, on peut débarrasser notre casserole du bain-marie. Dès que notre crème liquide et notre miel arrivent à ébullition, on retire notre casserole du feu.
On va venir ajouter notre crème liquide entière dans notre chocolat en 3 fois. On vient verser un premier tiers de crème liquide entière. On réalise notre émulsion à l'aide de notre Maryse. Une fois le premier tiers de crème et de miel incorporé dans notre chocolat, on vient ajouter un second tiers. On mélange de nouveau à l'aide de notre Maryse pour réaliser l'émulsion. On vient ajouter le reste de notre crème liquide entière dans notre préparation. On mélange une dernière fois à l'aide de notre Maryse. Une fois notre glaçage au chocolat réalisé, on va surveiller la température. Dès que notre glaçage est aux alentours des 40 degrés, on vient ajouter notre beurre. On va incorporer notre beurre dans notre ganache au chocolat à l'aide de la Maryse. Une fois notre beurre incorporé dans notre ganache, on va venir débarrasser notre ganache au chocolat dans un bec verseur. On va venir récupérer une plaque et une grille surélevée. On vient poser nos cakes sur notre grille. On va venir verser notre glaçage au chocolat sur notre premier cake. Une fois le glaçage appliqué sur le premier cake, on vient appliquer sur le second. On va laisser le glaçage retomber quelques minutes. Une fois que le glaçage a fini de couler de nos cakes, on va venir les débarrasser à l'aide de deux spatules. Et on vient les disposer sur notre support. Et voilà, nos cakes marbrés au glaçage chocolat sont réalisés. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.